Au niveau national, nous avons mis sur pied deux mouvements pour accélérer la conquête. Le premier mouvement, c'est le mouvement des enseignants-chercheurs que je vous prie d'accueillir favorablement dans les régions. Ça devait être en 2017, j'avais partagé avec le frère Théodore. Dieu a ouvert mon esprit pour comprendre que si nous commençons la conquête des universités à travers les enseignants-chercheurs, le succès sera plus grand que si nous commencions à partir des étudiants simplement. Parce que le frère Zach était un enseignant-chercheur et son statut de chercheur lui conférait une autorité que les gens ne peuvent pas manipuler ou que les gens ne peuvent pas dénigrer. Et avec cette autorité, il a imposé son message et la nation a été profondément impactée. Et le frère Théodore m'avait dit, donc il faut que vous visez 100 enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes à 48. Et ils sont des enseignants-chercheurs, mais ils gagnent les employés, les simples étudiants. Ils gagnent ceux qui sont dans l'école doctorale. Ils gagnent les professeurs. C'est-à-dire, ils gagnent les autres enseignants-chercheurs. Ils gagnent le personnel administratif. En fait, et ils gagnent toutes les classes, mais seulement, comme le frère Jacques, ils gagnaient tout le, même les pauvres comme nous. J'étais encore petit au lycée. Voilà, même les servantes. Alléluia. Donc ce n'est pas un mouvement qui fait la ségrégation. C'est un mouvement qui veut se distinguer, qui veut exploiter les circonstances, les atouts, les diplômes, les rangs, les positions pour gagner un certain type de personnes à Christ. Et il y a déjà nos résultats. Il y a des enseignants-chercheurs qui ont été gagnés directement. Et il y a nos étudiants qui soutiennent les thèses et qui postulent. Tu rates, tu reprends. Tu rates, tu reprends. Au dernier recrutement, nous avons eu 8 recrutements. Ils sont entrés. Et nous encourageons tous ceux qui peuvent continuer les études, pas pour la gloire du monde, pour la gloire de l'Évangile, qu'ils le fassent. Avec une vision claire que nous voulons créer une élite pour l'Église. Il faut que l'Église ait des gens qui occupent des hautes positions. Vous savez, au Cameroun, il y a quelque chose qui m'avait marqué. Il y a certaines églises, ils sont sérieux, mais les dirigeants ont un niveau très bas. Parfois, le BPC... Et il joue avec les versets bibliques. C'est le genre que si la Bible dit qu'ils saisiront les serpents, ils comprennent ça comme ça, terre à terre, ils s'en vont attraper un serpent et ils sont mordus. Ça dépend du niveau de méditation et de réflexion. Quand la Bible dit que chacun reste à l'état où il a été trouvé, ils comprennent ça terre à terre selon leur niveau. Celui qui vivait dans l'adultère pense qu'on vous dit qu'il doit regarder ça. Or, la parole de Dieu parlait de quoi? De l'esclavage. Parce qu'il y a eu un débat à l'époque de l'église primitive. Les esclaves qu'on achetait voulaient se révolter quand ils donnaient leur vie à Jésus. Ils ne sont plus des esclaves. On dit non. On vous a acheté. Si vous pouvez vous libérer, c'est bon, mais restez dans l'état où vous a trouvé. Seulement vos maîtres ne doivent pas vous maltraiter et vous-même servez comme si vous serviez le Christ lui-même. Que chacun reste dans l'état où il a été trouvé. Vous voyez donc que le niveau intellectuel peut influencer la compréhension des Écritures. Et les gens vivent dans l'esclavage pensant qu'ils sont dans la vérité. Donc c'est les versets comme
ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Ne devez rien à personne. On parlait des impôts. Faut-il payer les impôts ou pas? Paul dit, vous devez payer les impôts. Si vous travaillez au village, c'est que nos parents, là, tu vends le cacao, tu achètes tes impôts, tu payes. Tu es commerçant, il faut payer les taxes, tout ce qu'on demande. Mais ce verset ne veut pas dire que ne prête pas l'argent à ton frère. Non. Concernant le prêt, la Bible dit, donne à celui qui demande et ne te détourne pas de celui qui va emprunter de toi. Quel est le problème de la dette? Le problème de la dette, c'est que les gens qui n'ont pas les revenus ont menti à d'autres personnes que si on leur prêtait, ils allaient restituer, alors qu'ils n'ont rien. Quelqu'un qui n'a rien, écoutez ça très bien, qui demande un crédit, il ment, il pêche. Il pêche déjà en demandant, disant, quelqu'un, donne-moi 1 000 francs, je vais te rembourser demain. Tu es déjà un faux type. Quand on n'a rien, on demande le monde, l'aide. Et l'aide est proportionnelle au bien de la personne à qui tu demandes l'aide. S'il a 100 francs, il te donne. Et la Bible dit, le méchant emprunte et il ne rembourse pas. Et le frère Jacques avait dit, si tu dois à quelqu'un et tu as l'épargne, c'est un grand péché. Que tu dois l'argent à quelqu'un et il y a l'argent dans ton compte, tu n'es pas juste. Même si c'est à la maison. Et si tu n'as rien, ne demande rien. Demande l'aumône. Ça règle les problèmes de la dette. Tu n'as rien, tu ne fais qu'emprunter, tu deviens un esclave. Que tu te soumets sous l'autorité, le poids. Il dit, la Bible dit que tu augmentes tes fardeaux. Tu vas rembourser avec quoi? Et j'ai vu ça un jour à Kumasi. Une sœur devait plus de 300 000 francs à un Mauritanien. Cette sœur n'a rien. Je lui ai demandé, tu fais quoi avec? Elle dit, quand elle a faim, elle s'en va prendre sardines et le riz. Ça ne fait qu'augmenter. Dès qu'elle a faim, boire de sardines, un petit demi-kilo de riz. Écoutez ce qui s'est passé. Je lui ai dit, ne met plus pied chez le Mauritanien. Elle a quitté l'église jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des moments où j'avais regretté que si j'avais su, j'allais gérer ça doucement. Parce qu'elle ne pouvait pas rester sans aller voir le Mauritanien. Elle a quitté l'église. Je l'ai vu la dernière fois, c'est le jour où je lui disais, ne va plus prendre le crédit chez le Mauritanien. Et même entre nous, ne demande pas facilement le crédit à un frère. Mais il y a des gens parmi nous, s'ils te disent, donne-moi 10 000, je te remets demain. Si tu refuses, tu pêches. Tu pêches. Parce que tu peux le délivrer d'un problème inutile. Et il a la capacité de rembourser. C'est dans cette logique qu'on permet aux frères de prendre les crédits si c'est pour acheter la maison. Si c'est pour payer une maison, tu peux prendre le crédit. Tu quittes la location. Et la banque prend ce qu'elle peut prendre. Ne prends pas de crédit parce qu'il y a un mariage. Si quelqu'un prend le crédit pour se marier, ça c'est un péché. C'est un péché. J'avais un disciple. Il a fait le mariage pompeux. Il a dépensé plus de 1 800 000. Il a rendu son témoignage à le frère Prince. Avant sa conversion, il fêtait l'anniversaire 2 semaines. C'est-à-dire, il y a des affiches sur la voiture. Il roule avec son nom. Dans son mariage, il n'a rien. Il met 1 800 000. Lundi, après le mariage, il cherchait qu'est-ce qu'il pouvait donner à sa femme pour aller au marché. Ce qu'il a pu trouver, c'était 150. Est-ce que vous me suivez? 150 francs. Donc, si tu perds un parent, ne prends pas de crédit. Et ne cherche pas à contribuer au-delà de tes moyens. De telle sorte que tu vas murmurer contre les frères qui t'ont abandonné, ne t'ont pas donné l'argent pour enterrer tes gens. Vous savez, nous sommes en crise.
Chacun a ses fardeaux. Et l'amour fraternel nous permet de nous oublier pour intervenir et aider celui qui est dans le besoin. Vous voyez, le frère, si on disait tout à l'heure, quand un missionnaire, on donne 5 000. 5 000, c'est quoi? C'est zéro. Mais c'est ce qu'on peut. Est-ce que vous me suivez? 5 000 francs, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ce n'est rien. Mais c'est ça qu'on a aujourd'hui. Un jour, on pourra même avoir une œuvre sociale pour enterrer tous les morts. Il y a même des œuvres comme Yongisho. Il a le cimetière de Yongisho, de son église. Frère, c'est comme ici jusqu'au plateau. Et tu vois les tombeaux, c'est propre, blanc, 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 blanc. On ne porte pas les fardeaux d'aujourd'hui avec la grâce de demain. Tu as un problème, ne crée pas un problème aux frères parce que toi tu as un problème. Ne fais pas ça. Laisse les frères faire ce qu'ils peuvent faire pour t'aider. Quand, si vous avez donc un enseignant-chercheur dans votre localité, s'il n'arrive pas à t'expliquer ce qu'il fait, nous, je le fais aujourd'hui pour que tu comprennes. Mais l'idéal serait qu'il sache te l'expliquer pour que tu coopères. Et nous ne pouvons pas tolérer un mouvement qui crée les problèmes à l'église locale. Non. Tout ce qu'on fait dans l'église locale ou à côté de l'église locale doit faire avancer l'œuvre de l'église locale. Deuxième chose, il y a le mouvement pour gagner les cadres. Comment avons-nous fonctionné? Nous avons un mouvement pour implanter les études bibliques dans les lycées et collèges. Ça, c'est depuis les années 80. Moi-même, j'ai eu à diriger. Au début, on n'avait pas de mouvement. On travaillait avec le mouvement, le GBU. On avait remarqué que c'était très difficile. Quand nous prêchons, ils passent derrière, détruisent nos messages. C'est plus tard que j'avais découvert que dans le règlement intérieur, on interdisait de parler des choses comme le baptême, la repentance, c'était interdit. Moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que c'était un mouvement plus bon. Donc, il m'est arrivé de gagner les âmes qui réclamaient même le baptême. Le lendemain, les mêmes personnes ne peuvent même plus me saluer. C'est une jeune fille qui m'a dit, on nous a dit de ne pas te suivre. J'ai dit, ah bon? Elle m'a tout expliqué. Donc, j'ai dit au frère Emmanuel Baya, c'est le frère qui traduisait le frère Zach, il nous a dévancés. Je lui ai dit, vraiment, ce mouvement, ils ne sont pas bien. Quand je travaille, ils s'en vont gâter. Il m'a posé une seule question. Qui t'a envoyé là-bas? Il n'a pas ajouté d'autres choses. Je n'ai pas répondu à sa question. Et puis je suis resté, dit, c'est vrai, qui m'a même envoyé? Donc nous avons créé maintenant notre mouvement. Pur CMC. On prêche, tu crois, le baptême. On t'intègre. Et ça a porté beaucoup de fruits. Alléluia. Et nous avons un mouvement pour pénétrer les milieux universitaires, gagner les étudiants. Et ça marche. Vous avez suivi les comptes rendus de ceux qui ont des centres universitaires. Il y a les étudiants dedans et leurs activités sont aussi efficaces. Mais il y a un vide. Quand tu finis à l'université, que tu es peut-être nommé chef service, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas faire pour gagner les autres chefs de service? Ce qu'on a remarqué, c'est que les chefs de service viennent nous aider à gagner même les pauvres qui sont encore au quartier. Donc, ils laissent leur classe et ils portent du fruit dans les classes basses. Bon, que personne ne vous trompe. Le frère disait, si tu prêches dans les rues, tu auras les piétons dans l'église. Tu prêches dans les bureaux, tu auras les gens qui ont les voitures. Si tu prêches dans les familles, tu auras des maisons pour implanter les églises. Parce que tu vas gagner les chefs de famille. Donc, la conquête est planifiée suivant les objectifs qu'on veut atteindre.
Vous verrez que l'église d'Abidjan a bientôt près de 30 000 membres. Mais les cadres ne sont pas les gens, ne sont pas beaucoup. Et quand on lance une opération comme une machine qui vient, tu vois, les frères ont la bonne volonté, mais ils vont donner combien? 10 000, 5 000. Un jour, pour construire ici, c'est un seul frère, un seul homme d'affaires, il a donné 60 millions. Parce que quand tu es bien, dis amen. Et nous devons donc travailler d'abord, ça sera un mouvement pour prier. Parce qu'à un certain niveau de responsabilité, on est confronté à des influences réelles. Tu peux trouver un patron homosexuel, l'autre est franc-maçon, un autre est rosicrucien, et tu es là-dedans, au milieu, on dit c'est un enfant de Dieu. D'abord, ce mouvement-là va prier pour les frères qui sont à certains postes. Parce que leur talisman, c'est Jésus de Nazareth. Comme quelqu'un dit là que ça dépasse la magie. Nous avons le nom de Jésus pour détruire les commérages, les mensonges professionnels, les intrigues, les coups bas, pour essayer de t'envoûter, pour ravir ton poste. Nous allons régler ça spirituellement. Alléluia. Parce que Jésus agit. Nous allons prier. On envoûte un frère, on casse. Détruit l'envoûtement. Que personne ne vous trompe. La sorcellerie a des niveaux. Il y a des petits niveaux. Que même les petits bébés en Christ, tu dis, au nom de Jésus, tu as tout gâté, c'est fini. Mais il y a des niveaux où les gens ont payé un prix pour être des instruments réels du diable. C'est comme Pergame. Pergame, c'est, il y a la sorcellerie partout, mais à Pergame, c'était particulier. Pourquoi? Parce qu'ils ont rempli les conditions pour connaître les profondeurs de Satan. Et il y a eu des combats spirituels, par exemple. Tu dis au nom de Jésus, la personne devient 3 personnes. Tu dis au nom de Jésus, devient 6 personnes. Qui a déjà vu ça en vision? Qui a déjà entendu? Oui. Qui a déjà entendu que quand on a jugé l'esprit, il s'est multiplié? Qui veut venir rendre témoignage? C'est pour vous dire qu'il y a des niveaux. Il y a des esprits qui ne peuvent pas passer à travers le mur. Il y a des esprits qui peuvent passer par le mur. Il y a des esprits qui peuvent entrer dans la terre. Tu juges, au nom de Jésus, il entre dans la terre. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Si tu dis au nom de Jésus, il tombe seulement. Oui, va rapidement. C'était un mois plus tard. Je faisais un entretien avec une âme qui était venue nous rendre visite, c'est-à-dire on l'a invité, il est parti. Et son nom porte le nom des génies, mais lui-même il ne sait pas. Mais quand on lui a prêché l'évangile étant avec nous, alors pendant qu'on causait, et il nous a signifié ça, mais quand il est parti à la maison, le lendemain, le dimanche, il est venu nous raconter que vraiment, quand il est parti, il y a un gros arbre qui est tombé. Et quand le gros arbre est tombé, il y a des petits nains qui sont sortis. Mais quand ils couraient pour partir, ils se multipliaient, ils devenaient beaucoup. Gloire à Dieu. Et j'ai compris qu'ils sont beaucoup. Mais quand tu les vois, tu crois que c'est un qui est là. Mais lui-même, il se multiplie en 2, en 3, en 10. Amen. Je suis la sœur Lucie Kouaou. Il faut dire que quand moi-même j'ai cru en 96, une nuit j'étais dans le jeûne pour les parents. Et puis une nuit je dormais, j'ai vu un groupe de personnes qui me poursuivaient avec un goudin. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tourne-toi, tourne-toi. Et quand je me suis retournée, quand j'ai dit au nom de Jésus, ces personnes-là se sont multipliées. Et quand j'ai crié encore au nom de Jésus, et ils ont disparu. Amen. Donc ce mouvement sera un mouvement
de protection et cadre pour qu'ils emportent la victoire dans leur milieu. J'ai un jeune homme, il est parti en France faire l'expertise comptable. Arrivé, il dit que mais c'est grave. C'est-à-dire on vient comme ça te proposer des choses horribles. Avec toute la liberté, parce que là-bas, tu ne dois forcer personne. Donc on te propose tout démocratiquement et c'est aussi démocratiquement que tu acceptes. Donc, mais la pression est telle que, à un moment donné, tu cèdes. Alléluia. Il y a un philosophe au Cameroun. Il a enseigné, professeur à l'université. Et un jour, on le nomme recteur. Il s'est réjoui. Après, un jour, il entre dans son bureau. Il trouve une lettre. Le bureau qu'il a fermé. Parce que son bureau, tout est bouclé. Il trouve une lettre sur la table. Qu'on l'invite à une rencontre de Lyon, quelque chose comme ça, on lui explique la rose croix et tout. Il prend le stylo, il leur dit, je suis un adulte, j'ai passé mon temps à enseigner, c'est un professeur de philosophie, j'ai enseigné des choses aux enfants, je ne peux pas me renier aujourd'hui, je ne veux pas. Il l'a laissé sur la table. Il revient le lendemain, on a pris la lettre. Ça veut dire que on a ses clés. Ce n'est pas que c'est la magie. C'est-à-dire qu'on te maîtrise. Ils sont venus prendre la lettre. Les jours qui suivaient, la radio dit qu'il l'a enlevé. On l'a enlevé. Donc, si tu as un cadre dans ton église, ne lui pose pas tous les problèmes de l'église, mais prie pour sa protection. Il a plus besoin de toi que toi, tu n'en as besoin. Parce que on peut l'enlever. On peut lui dire, viens boire la bière. Il dit, je ne veux pas. On dit, tu ne seras plus. Ça s'accomplit. Mais quand il y a les prières, Dieu déploie une puissance qui crée la terreur dans le cœur des adversaires. Et c'est cette terreur-là qui les amène à respecter les frères. Que quand tu veux les punir, ton cœur bat. Donc, il y aura ça dans ce mouvement-là. Donc, il y aura des séances où ils peuvent inviter leurs collègues. Il y aura une rencontre de bénédiction. Le pasteur va juger les envoûtements qui sont dans vos vies. Et ils vont venir. Et avec la grâce de Dieu et les prières, leurs cœurs vont s'ouvrir. Et on ne ment pas. Jésus va les protéger. Jésus va les protéger. Alléluia. Donc, et si tu es dans une ville où il y a l'université, entre en contact avec la direction qui sera publiée. C'est le jeune Ajomani qui est le président au niveau de la jeunesse. Il y a la grande jeunesse avec l'Ouest. Il y a des mouvements qu'on crée sous la grande jeunesse pour atteindre certains objectifs. Alléluia. Donc, et ce sont des jeunes gens, ils sont nombreux, ils sont à Yamsoko, ils sont à Boké, partout là, bientôt, oui. Je voudrais poser la question, les cadres, on les identifie comment, c'est quel critère? C'est-à-dire, les cadres, c'est dans le monde, les cadres, c'est quand on a le BTS par exemple, quelqu'un qui a le BTS, c'est un cadre. C'est quelqu'un qui est nommé, c'est un cadre, même s'il n'a pas le diplôme. Il y a des gens, ils n'ont pas, ils peuvent avoir le bac, mais ils sont chefs de service. Ce sont des cadres. Et les entrepreneurs sont des cadres. Dès que tu crées l'entreprise, même si ça n'a pas encore décollé, tu es un cadre. Même si tu n'as que les statuts, tu as créé, tu as le nom. Quand on convoque les cadres, il faut aller. Jules François a commencé un peu l'autre jour, il est venu me présenter 449, Bâché. Mais depuis, il est dedans depuis, je crois, 10 ans. Sur son petit projet là. Donc les cadres, une commerçante intelligente, c'est un cadre. Pour nous, c'est pour nous. Et ce qu'on va faire dans l'avenir, on aura un fonds. Ça, je suis dessus déjà, ça fait plus de 10 ans. Nous aurons un fonds qui peut cautionner un départ d'un frère vers l'Europe.
sans qu'on lui ait donné l'argent. Par exemple, si l'ambassade demande une attestation que la personne sera soutenue par une institution ou bien une famille, on lui donne ça. Mais on peut avoir dedans même 20 millions ou même 30. Que s'il est vraiment coincé aussi, on l'est. Mais généralement, les gens ont la capacité de survivre par les moyens que leurs parents ont. Mais ils n'ont pas la capacité de garantir le départ. Parce que ce qu'on demande souvent, on peut demander un engagement de 500 euros chaque mois. Quel planteur peut signer ça? Il n'y a rien. Mais une institution qui a les moyens peut signer et on donne. Et quand tu t'en vas, tu es notre missionnaire. Et nous sommes en train de travailler sur ça. Alléluia. Quelqu'un m'a dit que le frère Théodore nous parle souvent d'une église au Nigeria, Redim, je ne le connais même pas. Que lundi matin, à banque où ils sont, où leur compte. Oui? Oui, l'église de racheter les dieux. Donc, pas de service parce qu'ils reçoivent les dîmes qui sont entre dimanche. Et les dîmes, on les récolte avec les petits chariots qui circulent entre les rangées. Là. On ne peut pas mettre les corbeilles. Et on me dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un fonds qui cautionne l'octroi des crédits. Et les membres de cette communauté s'en vont prendre les crédits pour cultiver les oignons, les arachides. Vous savez que là-bas, c'est des grandes cultures comme oignons, arachides et beaucoup de choses. Et c'est des grandes plantations. Donc, les banques financent donc ces choses-là et ils cautionnent. Ils ne te donnent pas l'argent, ils acceptent qu'ils garantissent. Quand vous allez vendre tout ça, c'est les dîmes donc de tous ces grands commerces-là. Et les autres aspects que nous connaissons tous, ça a fait de cette église une puissance. Donc, on ne peut pas aller loin si on n'organise pas la force qu'on a. Là où nous sommes arrivés, un seul frère ne peut pas aller loin. On te prend même, on dit à Abidjan que dirige, tu vas rater. Si je reste seul, sans t'appeler, je vais rater. Nous sommes arrivés au niveau où personne ne peut partir seul. Même dans ta région, tu dois compter sur d'autres régions. Frère, Dieu m'a révélé ces choses depuis. Quand nous sommes arrivés, qu'est-ce que je faisais? Je prenais l'album. Je prêchais avec l'album. Je dis, ça c'est le frère Martin. Je montre la photo d'ensemble. Parce que le missionnaire qui arrive seul là, les gens peuvent se demander, mais est-ce que c'est vraiment un missionnaire? Donc je prenais l'album, je montre là où on me pose les mains. Je dis, ça c'est le frère Zach. Alléluia. Faites la même chose, vous allez voir. Tu prends le renversement des principautés, tu cherches là où il y a la foule, tu dis, tu vois, c'est nous ici. Moi, j'ai fait ça, mes amis. Il y avait eu une grande évangélisation à Douala, c'était merveilleux. C'est la photo là, je montre, tu dis, ça c'est le frère Zach. Voici, ça c'est l'église. Alléluia. Et les frères, vous connaissez les premiers frères là, ils avaient besoin de ça. Un jour, un d'entre eux est venu me dire, non, le frère Zach est un apôtre. Je veux le suivre. Il n'a pas dit, je vais te suivre, je vais suivre le frère Zach. Donc, si tu suis le frère Zach et que tu es avec moi, je gagne. Alléluia. Donc, pose la question. Un, et puis, nous irons, il restera un type de jeunes. Les jeunes qui sont des démunis, qu'il faut aider, ça on ne peut pas traiter ça maintenant. Dieu va nous permettre de grandir d'abord. Il y a une autre catégorie de jeunes qui n'ont rien, même rien. Tu lui donnes même un pantalon, après 2 semaines, ça se déchire. Parce qu'il n'a plus rien. Ça, on doit aller doucement. Alléluia. Cette classe-là a besoin des bonnes œuvres, des œuvres de miséricorde. Cette classe-là. Certains même, on peut prendre en charge, on peut décider qu'on lui donne 20 000 chaque mois. Il y a des gens, tu les vois, tu ne les demandes même pas d'être cadre ou quoi que ce soit. Donne seulement le pain quotidien. Il y a des gens que nous allons nourrir toute leur vie et on aura les moyens pour ça.
Parce que l'Église, c'est une puissance. C'est une nation. Vous le savez. Une nation sainte. Alléluia. Écoutez. Certains d'entre vous, là, c'est ce ministère-là qui va les soutenir. C'est-à-dire que tu as 105 ans. Quelqu'un te dit, c'est moi le frère Tala. Tu dis, c'est toi Tala. Tu ne le vois pas bien. Alléluia. Et vous là, vous serez des petits vieux là, vous marchez comme ça. Vous aurez besoin de nos médecins qui viennent vous rendre visite, faire des perfusions gratuites. Alléluia. Jésus-Christ. J'ai dit à certaines personnes, ne craignez pas mes amis, ne craignez pas. Tu vois le Hope Clinic là, ils seront puissants. Ils vont vous faire un jour des examens gratuits. 80 ans, 90, 100. Nous sommes loin, nous voyons loin. Vous allez, ne craignez rien, servez Dieu avec zèle. Quelqu'un te trompe là, tu vas manger quoi demain? Dis-lui que le lendemain aura soin de lui-même. Pour le moment, la conquête. Et c'est cette conquête qui est notre richesse. On pose le pied à jamais. Ça là, ça ne sera jamais plus ça t'appartient. Alléluia. Tu poses le pied à ce quoi. Yam Sokoya, 10 états, quel ennemi entre Dieu va nous donner la victoire. Donc ça sera comme ça. Nous allons accumuler les richesses et les missionnaires ne vont pas souffrir. Pas de question. Fais avec un cœur. Ne va pas là-bas, tu es stressé et tu as l'hypertension. Non, non, non. Parce que le diable peut venir te demander, tu vas manger quoi? Tu n'es pas marié, tu n'es rien ici. Quitte. Dis-lui que non. Ça, ce sont mes frères. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments, j'ai dit à Catherine que tu m'as suivi là. Voilà, voilà, voilà. Montrez ça aux enfants qui vous ont fait confiance. Que tu vois, tout ça là, c'est pour nous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand quelqu'un sait qu'il est en sécurité, il double sa contribution. Sans crainte. Il s'assoit bien. Marthe là, c'est un ami. Tu sers Dieu tranquillement. Dieu t'a déjà ramené à la vie. Ce que je dis là, c'est, ça va se passer comme ça. Vous avez vu à Koumé, la sœur Henriette, qui a déjà vu la maison où elle habite. Est-ce qu'elle mangeait le riz avec l'huile? Elle a suivi le frère Zach. Un fils du frère Zach s'occupe d'elle. Elle dort. Alléluia. Et pas seulement, c'est-à-dire même dans les nations, les gens lui envoient des dons. Elle a même ce que ceux de sa famille qui ont fait des choses du monde, ils n'en auront jamais. Parce que là où vous êtes là, il n'y a pas de retraite. Qui va t'enlever de ton poste? Personne. Si je n'avais pas suivi le frère Zach, je serais déjà à la retraite. L'État, et ils calculent même ça. Ils m'auraient déjà envoyé à la retraite. Mon délégué, quand il partait, on lui a donné un bouquet de fleurs. Il me dit, mon petit, tu es le plus jeune parmi nous. Mais je devais te dire, on me donne bouquet de fleurs. Je fais quoi avec? Regarde mon âge, bouquet de fleurs. Vous voyez? Avec toute la vie qu'il a mis dans cette vanité, bouquet de fleurs, un vieux à la retraite. Là où toi tu es là, ta retraite est garantie. Jésus-Christ. J'ai fait 64 ans en février, le 16. Mais c'est maintenant même que l'œuvre commence. Et puis, je suis fort. On peut continuer, Jésus-Christ. Ça, c'est les choses réelles. Je vous dis la vérité. Je serai déjà à la retraite, armé à faire valoir ses droits à la retraite.
Et puis on signe en même temps que ton salaire s'arrête. Sans pitié, on signe. On ne dit pas que quand ça commence de tomber là, on va bloquer l'autre. On bloque d'abord. Tu commences à marcher, tu vas, tu reviens, je suis pour mon dossier. Après, ils calculent tout, ils coupent encore une bonne partie. Et quand tu veux créer maintenant ta part d'entreprise, tu as mal au genou, tu as mal ici, tu as mal au dos, tu as mal partout. Donc, l'évangile ne nous a pas trompés. Jésus ne nous a pas trompés. Jésus, certains d'entre vous ont le rang de ministre. Un ministère, parfois un ministère a quatre directions. Si tu prends le chef, le directeur général, tu prends les adjoints, tu prends les chefs, ils peuvent être 30, 15. Mais vous avez plus que les ministres. Vous voyez quand les délégations viennent ici. Rien que les délégations là, ça fait déjà le staff d'un ministre. Méditez, Dieu va vous parler. C'est pour cette raison qu'il faut protéger cette affaire. Parce que le diable est jaloux. C'est l'ennemi de Dieu. C'est le voleur. C'est le menteur. Frère, je vous dis la vérité, si je restais dans le monde, je serais déjà au village en buvant le vin de palme. Et c'est ce que nous avons vu certains faire. Et quand j'étais à Paris, il veut montrer qu'il était à Paris, il crée ça comme ça, même si c'est hors sujet. Quand j'étais, il y avait un Allemand, les autres l'écoutent. Après, il n'y a rien. Alléluia. Là où vous êtes des ministres compétents. Nous sommes là où nous sommes. Un collègue, d'abord il était un ami à Dakar. On a fréquenté ensemble, on a étudié ensemble. Après, nous sommes rentrés au Cameroun. Dieu m'a appelé. J'ai répondu à l'appel. Un jour, il me dit, ils sont devenus des inspecteurs, tout ça. Je lui ai dit, je suis à Abidjan. Je dirige une délégation. Quelqu'un m'a dit que fais un peu le mot avec lui. C'est-à-dire que je dirige une délégation de tant de personnes pour Lagos. Quand je reviens, je lui ai donné le programme. Le genre que quand il finit de lire, il s'éteint. Il comprend que celui-ci, il n'est pas devenu inspecteur, mais il est plus grand. La mission est à tel niveau où les gens doivent nous dire qu'ils sont là. C'est-à-dire, tu empruntes un car de Korogo pour venir dire que je suis là. Ce n'est pas anodin. Tu viens dire que je suis là. Tu peux compter sur moi. C'est à ce niveau-là où nous sommes. Et c'est ce renouvellement des sentiments. Comme Paul dit, quelqu'un lise pour nous Philippiens, chapitre 4. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur lorsque vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous avez pu renouveler quoi? L'expression de vos sentiments pour moi. Continue. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Frère, je te dis la vérité. Fais de ça ton message. Tu appelles un frère. Je lui dis, j'ai besoin de toi. Je veux que tu renouvelles tes sentiments. N'aie pas honte. Ce n'est pas la tricherie. C'est un besoin. Vous voyez un grand apôtre, pas d'orgueil. Il dit, il était content, les frères lui ont envoyé les dons. Ce qu'il voit dans ces dons-là, ce n'est même pas qu'une provision à ses besoins. C'est le renouvellement de leur amour, de leur sentiment qui est affiché par le Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans l'invisible sur le renouvellement des sentiments. Ce qu'on voit, c'est un paquet d'achèques. C'est un sac de riz. Donc, quand quelqu'un te donne un sac de riz, ne vois pas le riz. Vois le renouvellement de ses sentiments envers toi. Et ne fais pas comme si tu n'as pas besoin de ça.
Il est même bon de commander ça plutôt que de commander la nourriture. Parce que nous ne trichons pas, nous sommes réels. Un petit comme Pascal, regardez son âge, tiens-toi debout. Si je ne lui dis pas que j'ai besoin de toi, mon petit, il peut rétrograder parce qu'il peut croire qu'il n'est rien. Il est là, regardez, tu ne peux même pas savoir qui peut être utile. C'est moi qui dois lui dire, j'ai besoin de toi. Il y a des moments, je l'appelle la nuit. Il dit, j'ai regardé la RTEC, ton truc là, des papiers. Va réfléchir. Ne soyons pas un peuple orgueilleux, soyons pratiques. Tu as besoin d'un service. Tu dis au frère, tu lui dis, mais tu ne m'aimes plus comme dans le passé. Pas que tu t'amuses, hein, tu dis des remarques réelles. Et même la personne te dit que c'est vrai. J'ai rétrogradé. Vas-y. Je suis le frère Pascal Béhouri. Je sais le pasteur Meunier avec les autres frères de la RTVC au niveau de la conquête à travers les médias. Amen. Et frère... Comme papa l'a dit, vous commencez avec la bonne conclusion. En début d'année, nous sommes venus voir papa pour lui dire que papa, nous sommes là. Alléluia, que tu peux davantage compter sur nous. Et l'année 2023 a été une année de révolution, de correction et de maturation. Pour donner quelques exemples pertinents, je vais citer seulement trois. Frère, notre Dieu nous a bénis avec un père qu'on ne peut pas tromper. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux le servir, c'est-à-dire si tu veux accomplir la vision que Dieu a mis dans son cœur, il faut te rassurer que tu travailles d'abord sur la fusion de cœur. C'est-à-dire, la connaissance, c'est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas de communion avec le cœur, c'est très difficile. Et j'ai compris parce que au départ, je travaillais sur la qualité avec les mots pour impressionner tout ça. Mais frère, après un travail où moi-même je me dis que j'ai fait un bon travail, quelque temps après, il y a un silence. Gloire à Dieu. Quand c'est comme ça, j'appelle. Je dis, ah papa, je t'ai envoyé un élément. Il dit, d'accord, j'ai vu, je vais regarder. Gloire à Dieu. Et donc, quand je reçois, je dis ça souvent à mon épouse, dès que je vois papa Meunier, je commence à méditer sur tout le produit de la première seconde à la dernière pour chercher à savoir où est-ce que j'ai raté. Et frère, les corrections sont de nature à t'amener à réaliser que une chose c'est de faire le travail et une autre chose c'est de te rassurer qu'il y a une vision que tu poursuis. Gloire à Dieu. Ça fait que maintenant, avant d'écrire un papier, je prie. Chose que je ne fais. Avant je priais, mais maintenant je prie et je dis, oh Seigneur, donne-moi les mots pour introduire, pour développer, pour conclure. Et permet que ce que je vais dire puisse s'accorder avec ce que le pasteur Meunier aurait dit s'il était à ma place. Gloire à Dieu. Chose qu'au début... Acclamation. Alléluia. Et un jour, pour conclure, nous étions partis au Togo, frère. Et là, par la grâce de Dieu, pour sauter beaucoup de détails, le Seigneur m'avait restauré après plusieurs échecs au cours de la croisade du ministère. Et quand nous sommes arrivés au Togo, en tout cas, les choses étaient restaurées, tout allait bien. Mais dans mon esprit, je disais que demeure dans la prière parce qu'il y a un grand test qui arrive. Alléluia. Demeure dans la prière, ne dors pas sur tes lauriers. Donc, pendant que je travaillais dur, quand nous sommes arrivés, j'ai fait les reportages et je travaillais sur la promptitude comme le conseil qu'il m'avait donné. Et quand on a fini, nous sommes rentrés à Abidjan. J'ai fait un reportage avec un nouveau style où je fais beaucoup intervenir les gens. Et dans le reportage, il y a un pasteur qui avait tenu des propos
qui étaient vraiment des propos qui ne devaient pas passer. Et c'était principalement de ma responsabilité parce que c'est moi qui diffuse, gloire à Dieu. Et frère bien-aimé, quand le pasteur a vu, il m'a appelé. Et ça, je peux dire que à un certain moment, je pensais que j'étais canqué, comme on le dit à l'ivoirienne. Gloire à Dieu. Mais c'était la réprimande la plus tranchante. Et par pastorat, il a dit que ça, ce sont des choses, si c'était dans un autre contexte, tu étais même licencié, tu étais chassé. Frère, quand j'ai entendu ça, j'étais en route pour Séguéla, dans le car. Et j'étais vraiment rempli de tristesse. Parce que je me suis dit que, après toute la restauration, Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu m'a aidé. Frère, je n'ai pas murmuré. Là, je tiens à le rassurer. Parce que je me dis que c'est pour mon bien que papa fait ça. Et Dieu m'a illuminé. Je dirais, Dieu m'a inspiré. Parce que papa a l'habitude de me dire, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Alléluia. Et c'est une question à laquelle je réponds toujours dans mon cœur, que je suis sur la terre pour te servir. Alléluia. Donc, j'ai écrit, je viens supplier que tu me pardonnes, papa. Pardonne-moi cette grave erreur. Mes échecs répétitifs s'étalent devant moi, devant mes yeux ce matin, et je vois mon indignité à ce poste. Papa, je tiens à te dire aussi que si je ne suis pas en train de te servir, ma vie n'a pas de sens. Car c'est pour te servir et servir tous ceux qui te servent que je suis sur la terre. Même s'il me faut juste prier pour quelqu'un d'autre qui fera ce travail mieux que moi, au moins je serai toujours à mon poste. Mais papa, je ne veux pas aller servir le monde. Je veux juste être là où tu veux que je sois. Pardonne-moi, papa, pour toutes ces déceptions. C'est avec l'âme que j'écris ces mots. Je supplie que j'ai encore de quoi servir auprès de toi. Amen. Et frère, quelques minutes après, j'ai reçu trois mots, mais qui ont produit la fête dans mon cœur. Tu es pardonné. Alléluia. Amen. Acclamation. Gloire à Dieu. Tu es pardonné. Et quand il a dit tu es pardonné, frère, j'étais content. Et même pour le salut à Séguéla, j'attendais d'abord d'envoyer quelque chose en ligne. D'abord, avant de m'approcher pour dire sois béni, papa. J'arrive à la maison. À 4 heures, j'appelle ma grande sœur Gracielle pour lui dire ah, j'espère que vous êtes bien arrivée. Elle dit oui, mais Pascal, papa t'a demandé, papa dit qu'il est parti à Séguéla, il t'a pas vu. Alléluia. Frère, c'est Dieu qui a conduit les choses. Parce que je m'inquiétais. Je me demandais si j'avais été vraiment restauré. Mais après, je me suis rendu compte que c'était juste une réprimande pour m'amener à bouger. Mais le Seigneur, pendant que j'écrivais les mots, c'était en même temps une leçon et des marques que j'étais en train d'imprimer sur les clauses de mon service auprès du pasteur Meignet. Et j'ai même partagé un missionnaire. À partir de ça, j'ai compris que non seulement je suis en train de servir le pasteur Meignet, mais si ceux qui sont en train de le servir sont en train d'échouer, ça fait partie de ma responsabilité. Donc je dois promouvoir son ministère selon qu'il est dit. Sa renommée, parlant de Jésus, parcouru toutes les localités et des multitudes venaient à lui. Il les enseignait et les guérit. Je dois faire autant et pour lui et former des gens auprès de chaque missionnaire qui feront autant pour eux. Alléluia. Amen. Donc frère, pour conclure, nous sommes en train de servir. Nous sommes sciés, rabotés, corrigés. Mais la grâce de Dieu nous portant, autant que nous devons, nous supplions pour continuer à servir, pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. Amen. Amen. Recherche le renouvellement des sentiments. Au point où nous sommes arrivés, on peut déjà évaluer l'œuvre. Le frère Jacques dit que c'est après 25 ans qu'on peut évaluer une œuvre pour savoir si elle a réussi. Nous sommes témoins nous-mêmes que Dieu est avec nous. Donc, nous devons continuer. Mais comment continuer? C'est avec un amour renouvelé. La joie de voir ton frère et de travailler avec lui comme si c'était la première fois que tu le vois
et que vous voulez travailler. La joie d'enlever les barrières. La joie de pardonner les déceptions. Le diable te dit, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Dit, nous sommes arrivés au niveau où chacun oublie ce que le diable ne veut pas qu'il oublie. Vous savez, dans la nouvelle alliance, pour que la nouvelle alliance démarre, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, je pardonnerai leur iniquité et je ne veux plus me souvenir de leur péché. C'est-à-dire, il y a un changement radical. Dans le renouvellement des sentiments, on oublie des offenses. Je ne me souviendrai plus jamais de leurs iniquités. Si Dieu n'avait pas dit ça, la nouvelle alliance serait un truc vide. Dans le couple, renouvellement des sentiments. Et Dieu va se glorifier. Je vous dis la vérité, quand un frère me donne quelque chose, je fais l'effort pour lire le cœur. Il ne faut pas s'arrêter à la chose. C'est-à-dire que son cœur est dedans. Paul dit, c'est vrai, j'ai des besoins, mais quand j'ai vu vos dons, j'ai compris que vous êtes en train de renouveler l'amour pour moi. Il dit, ce n'est pas parce que j'avais des besoins que j'ai dit ça. Il dit, j'ai dit ça parce que... Relis encore. Éphésiens 4, par verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Continue. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir mes besoins. Vous comprenez? C'était une relation forte. Ce n'est pas nouveau ce qu'ils viennent de faire. Ils avaient eu l'habitude de le faire. Maintenant, quand c'est venu avec une autre dimension. C'était comme s'ils relançaient une machine qui s'était arrêtée. Continue. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous suivez? Il ne faut pas que personne ne vous trompe. Si un grand apôtre parle comme ça, toi tu dois parler même avec les larmes aux yeux. Il ne faut pas faire comme si tu es fort. Tu vois les gens, tu fais comme si tu es fort. Il faut dire aux gens, vraiment, vous m'avez sauvé. Quand ton riz est arrivé à la maison, tout le monde chantait. Tu dis, j'ai rendu grâce à Dieu. Pas parce que j'avais faim, mais je vous ai vu revenir à moi. Je vous aime. C'est tout, hein? Et la conquête continue. Mais si nous sommes remplis, craintifs, froids, prudents, cette phase va souffrir. Vous savez, c'est comme les vœux. Les vœux, je ne les vois pas comme les vœux. Les vœux que vous voyez là. Quand la sœur Henriette a reçu l'explication, elle m'a dit, ça, on n'a jamais vu ça. Qu'un peuple qui vient renouveler son attachement, tu vois, elle voit la le renouvellement de l'attachement. Elle n'a pas vu les vœux de pompe, non. Et nous les recevons avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité et d'action de grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Côte d'Ivoire, frères, sont une bénédiction pour toute notre œuvre. Chaque année, les frères venaient, dès que la fin d'année arrive, les frères viennent. Il y en a qui venaient seuls, il y en a qui venaient à deux, il y a des zones, il y a des familles. Un jour, jusqu'au mois de juin, une famille attendait. Et ils voulaient que je leur dise le jour, il n'y avait pas de jour. Tout était chargé. C'est là où l'idée, je ne sais même pas qui est le père de cette idée-là, est venue de faire les vœux en un seul jour pour qu'on donne les vœux et puis chacun part travailler. Que de rester là toute une année, recevant chaque groupe à part.
frère, ça, ça sort du cœur de l'homme. C'est un renouvellement des sentiments. Et nous devons donc utiliser ça maintenant comme une arme de consolidation. Et c'est cette année que j'ai reçu l'orientation. Parce que vous-même, vous avez vu, quand les frères viennent, il n'y avait aucun discours. On dit merci seulement. Si certains ont vu l'épreuve d'un attachement réel, si les frères de ta région viennent te saluer, ne les chasse pas, ne fais pas le spirituel, tu vas perdre. Ne demande pas. Mais si quelqu'un te demande, est-ce que tu as la maison? Tu dis oui. Et tu sors, tu trouves un coq, un sardinien. Il ne faut pas négliger ça. Le frère Zara a passé le temps à regretter deux choses. Pour ceux qui l'ont bien écouté. Il dit, un frère lui avait donné 500 000. Il avait eu un rappel. Et il a pris 500 000 pour venir donner. Il dit, non, non, non. Il a renvoyé le frère. Et une autre sœur était partie au village. Elle a ramené le poulet. Il lui a dit, frère Zara, j'étais gardé un poulet. Dieu va manger ton poulet. Après, Dieu lui a révélé que ces deux gestes l'ont empêché de consolider la relation avec les deux personnes. Le frère qui voulait donner 500 000 l'a retrouvé plus tard. Je crois que même la sœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tes gens ne te donnent rien, mets-toi à genoux, tu pleures. Ça, c'est pas bon. Ne les demande pas. Mets-toi à genoux. Je ne dis pas au sens figuré, au sens propre. Ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Tes gens, un an, même 31 décembre, rien. Quand tu danses là, de joie, il faut, si tu voulais danser une heure, danse peut-être 50 minutes et puis tu gardes dans 50 secondes, tu gardes l'autre pour pleurer. Si tu as, vous savez ce que je fais? Quand on me garde quelque chose, je dois voir ça, même si je suis dans le jeûne, même si c'est un plat de nourriture, on doit me montrer. Si je ne suis pas là, on filme, on m'envoie l'image. On dit, telle personne a envoyé telle chose, voilà. Je rends grâce à Dieu. Vous pouvez manger comme vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut donner une valeur à ces choses-là. Ça sort du cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un qui est parti au marché chercher les ignames, c'est le temps et le cœur. Ne dépose pas ça quelque part là. On te demande ça, c'est quoi? Tu dis, je ne sais pas. Les dons bien reçus, bien interprétés, consolident la relation. Consolident la relation. D'abord, c'est bien reçu et c'est bien interprété, ça consolide la relation. Pour ceux qui partent souvent au Cameroun avec nous, la dernière rame, à la fin, c'est-à-dire les dernières minutes, quel était le message? Travaillons ensemble, restons ensemble, comme conclusion. L'œuvre est arrivée au niveau où tu appelles ton frère, tu dis, viens m'aider à conseiller les gens. Frère, nous sommes vous êtes des ministres, vous allez vieillir. Si tu ne fais pas attention, tu vas vieillir sans avoir épuisé toute la richesse que Dieu a mise en toi. Ceux qui ne sont pas forts dans la délivrance peuvent appeler un ministre de la délivrance d'aller faire un week-end de salut et de guérison. Ce n'est pas seulement que c'est moi. Je vous ai dit, circulez dans la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Soyez efficaces. Le pays est soumis, nous est soumis. Dis à Marc de venir bénir un mariage, je l'invite. Rien que son voyage dans le car, il est délivré. Il s'en va en mission. Il peut rester là, il regarde devant, il n'y a pas d'horizon. Sa tension commence à monter. Mais quand tu vois l'avenir, tu es guéri en même temps. Et dans une ville comme Abidjan, Yamsoukou, Boké, San Pedro, Dabou. Invitez-vous à des repas. Invite les frères. Ne faites pas comme. Invite les frères. Je dis, venez, on va manger ensemble. Alléluia. Ils viennent, tu sers. Ils mangent, ils rentrent. Vous allez voir. Nous allons créer une vie qui va gagner les âmes. Les gens vont chercher partout où se trouvent les disciples. Des gens vont se dire que toi là, si tu veux vraiment adorer Dieu, cherche telle église. Je vous dis la vérité, ça va s'accomplir. Donc nous devons imposer une culture et Dieu va l'utiliser pour travailler. Je voudrais que quelques personnes prient pour nous. Ô Père, brise-nous, Seigneur.
Que chacun soit très reconnaissant envers chaque effort de son frère pour être ensemble. Qu'il n'y ait point d'orgueilleux parmi nous qui soit incapable de dire à ses frères « Merci parce que tu as renouvelé ton attachement. Merci parce que tu as renouvelé tes sentiments. » Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci notre Dieu et notre Seigneur pour ce message fort qui vient nous guérir, nous restaurer. Seigneur, tu es Dieu, tu demeures Dieu, Seigneur. Tu dis le renouvellement des sentiments nous amène à oublier les offenses. Seigneur, je m'inscris dans cette logique pour oublier toute offense, au fond de mon cœur, Seigneur. Pour que mes sentiments, notre Dieu, pour renouveler mes sentiments envers chaque frère, je viens dissiper de mon cœur toute peur, toute crainte d'avoir raté, d'avoir commis, oh Seigneur, d'avoir blessé le dirigeant. La crainte que j'avais, la peur est en train de disparaître de mon cœur, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, de me guérir, de m'aider à comprendre que je dois aller vers lui pour renouveler mes sentiments, que je suis là, tu peux compter sur moi, Seigneur. Parfois, je me disais, avec tous ces ratés, quand le frère Pascal lisait sa lettre, je coulais les larmes. Mais je comprends. Je comprends que tu veux me guérir. Tu veux me guérir et je te dis merci, Seigneur. Je sors de là guéri et je sais pouvoir m'abandonner entre tes mains pour que tu m'utilises encore. Parce que je m'engage à renouveler mes sentiments envers le dirigeant, mais à renouveler également mes sentiments envers les autres. Merci Seigneur de me guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous ayons des cœurs simples, suffisamment ouverts pour les recevoir. Bénis-nous avec la capacité de renouveler nos engagements, de renouveler nos sentiments. Je prie que tu me bénisses avec la capacité de le faire, d'y demeurer et d'y persévérer. Seigneur, merci parce que tu nous as fait comprendre que nous devons être simples, humbles. Que chacun de nous comprenne qu'il a besoin de son frère, qu'il a besoin de sa sœur, qu'il a besoin des autres. Père, je prie que cela soit imprimé en nous. Et bénis-nous à la capacité de recevoir toutes choses, de prendre cela à cœur comme étant le renouvellement, l'expression, Seigneur, des sentiments renouvelés. Père, je te dis infiniment merci. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette chirurgie profonde que tu as commencé à opérer dans nos cœurs depuis que nous sommes venus. Et d'une manière particulière pour ce jour. Tu connais nos besoins. Tu connais le besoin pour chacun de nous de renouveler l'expression de ses sentiments, l'expression de son amour pour le dirigeant, pour son frère, pour sa sœur. Tu connais le besoin de chacun de voir son frère, sa sœur, renouveler l'expression de ses sentiments pour lui. Seigneur, tu veux nous souder à nouveau, nous unir à nouveau, afin que nous allions comme un seul homme.
Oh Père, je saisis cette occasion pour revenir, pour restaurer l'expression de mes sentiments pour le pasteur Meunier Boniface. J'irai le lui dire personnellement. Et je saisis également cette occasion pour renouveler l'expression de mes sentiments pour tous les autres dirigeants, pour ceux qui sont sous ma direction et pour tous les frères que je dirige. Seigneur, je prie que tu bénisses chacun de nous avec la capacité divine de se saisir de cette opportunité pour couler vers son frère, pour couler vers sa sœur, afin que nous fusionnions pour une œuvre explosive. Nous te supplions que ce message parcourt toute la nation, qu'à partir d'ici, le flot coule dans la nation et que ce que tu attends de nous en 2024 soit vraiment atteint. Au nom de Jésus-Christ, amen. Seigneur, je voulais te dire merci pour cette qualité de l'homme que tu nous as donnée. J'ai été touché, Seigneur, de voir que le leader est en train de nous communiquer un secret de réussite qu'on ignorait, Seigneur. Cette capacité d'être humble, de déclarer ouvertement qu'on a besoin de l'autre pour évoluer, on a besoin de l'autre pour réussir, sans complexe. Cette capacité de dire la vérité que sans toi, je ne peux pas avancer. J'ai besoin de toi. Seigneur, c'est un secret de réussite. Père, j'ai été touché. Je prie, oh Père, que tu me donnes de voir que je ne suis rien sans mon frère. Je ne suis rien sans les disciples. Je ne suis rien sans les co-ouvriers. Je ne suis rien sans les collègues. Voilà pourquoi tu as diversifié les dons, les talents. Pour que ce que je n'ai pas, l'autre a. Pour que j'ai besoin de l'autre pour pouvoir avancer, Seigneur. C'est une réalité. Merci, Seigneur, de ce que tu m'as donné de comprendre la nécessité de renouveler ses sentiments sans honte à quelqu'un, de rassurer la personne qu'il peut compter sur toi et que tu es là pour lui. Seigneur, merci infiniment pour cette déclaration qui compose des mots de vie. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ. Amen. Père éternel, je me repens parce que j'ai abandonné un ministère. Pardonne-moi. Ce que je comprends, c'est que derrière un don, c'est tout un ministère. Pas de la nature du don, mais il y a quelque chose qui est derrière. C'est un ministère. J'ai abandonné le ministère. Dans notre début, nous avions bien commencé avec le couple missionnaire. Mais quelques temps après, nous avons rétrogradé. Je supplie que tu nous pardonnes, mon épouse et moi. Parce que je vais lui rendre compte que notre échec provient de ce que nous nous sommes séparés des dons. Enlève toutes les conséquences. Enlève toutes les conséquences. Nous revenons. Quelles que soient les circonstances, nous revenons à ce ministère. Parce que c'est un ministère. J'ai prié au nom de Jésus-Christ que cela soit gravé sur mon cœur, que ce soit le premier témoignage que je rende à mon épouse. Même à partir d'ici déjà, que abandonner un don, c'est abandonner tout un ministère. Et ça détruit la partie. Merci. Merci de me guérir à partir de ce ministère. Merci de me guérir. Je prends l'engagement, mon épouse et moi, que nous revenons à ce ministère. C'est un ministère merveilleux. Parce que quand tu donnes, tu reçois. Nous ne recevons plus rien parce que nous avons abandonné, que nous n'avons rien à donner. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, de me guérir le cœur, l'esprit, et que je parte d'ici ragaillardi. Je parte d'ici ressoudé, que chacun ait sa part dans ce que tu viens de nous dire. À toi la gloire, et cette gloire demeurera
jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais rendre un témoignage pour appuyer ce que lui est en train de dire par rapport au fait que nous devons, en tant que missionnaires dans la nation, nous visiter, nous entraider et nous aider. Vous savez, au milieu de nous, chacun a ses dons et ses talents. Il y a, je crois, il va y avoir 2 ans de cela. Bah, ça fait déjà plus de 3 fois que le leader nous le dit. J'avais invité le pasteur Gogo Archil à Korogo. J'en parle pour que ça puisse certainement édifier certains, parce que leur venue a eu un impact positif à Korogo. J'avais invité le pasteur Gogoua à arriver à Korogo, et quand il est venu, je pense même qu'il a logé à la maison. Alléluia. Il a rencontré l'église, ensuite il a rencontré la jeunesse. Si j'ai belle mémoire, je pense après son départ qu'il y a eu à Korogo, la première fois, la jeunesse est venue. Parce qu'après lui, il y a eu le frère Privat de Yamsokro, puis certains membres du bureau de la jeunesse nationale qui sont là à Korogo. Et c'est comme ça que, après leur départ, sur place même, le bureau de la jeunesse a été établi. Aujourd'hui, on a une jeunesse à Korogo. Ça, c'était la venue du pasteur Gogoua. Et quand ils sont arrivés, il a rencontré aussi également mes dirigeants le dimanche soir, là qu'ils partent le lundi. Ça a eu un impact positif. On était très contents, il est parti aussi très heureux. Je suis aussi allé à la demande de notre aîné, le missionnaire Kwao Emmanuel. Je suis allé à San Pedro. J'étais allé me reposer. Je crois avoir fait 1 semaine là-bas. 1 semaine et plus. C'était merveilleux, juste merveilleux. Parce que je dormais, je mangeais. Il ne m'utilisait pas. Je cherchais beaucoup Dieu. Mais c'est là qu'il m'a enseigné également, personnellement, à ta table, sur la notion des anciens. J'avais été beaucoup édifié. Et puis, il m'a donné un de ses enfants. Nous sommes allés à San Pedro, on a parcouru un peu la ville. C'était ma première fois de découvrir la ville. Je lui ai demandé, mais est-ce que c'est possible que je parte si je dis Séraphin? Il dit, mais pas de problème. On a pris la route, il m'a accompagné à la gare, et je suis allé à Sassandra. Mais ce que l'on dit, il faut aller voir. Je suis allé à Sassandra, mais franchement parlant, le pasteur Dieu m'a accueilli comme un ministre, comme un prince. J'avais une chambre déjà préparée. J'avais la table qui était déjà garnie de petit déjeuner. Il y avait le café, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais ce qui m'a marqué, c'est parce que ce jour-là, il était dans les jeunes. Sa femme a préparé les poissons de l'eau de la mer de Sassandra. C'était merveilleux. Je me suis dit que mais si j'étais parti avec mon épouse, c'était bon. Alléluia. J'ai mangé sérieusement. Je suis retourné à San Pedro. C'est là que le mercredi, pour la première fois, il m'a donné la parole. Et après, je crois que j'étais parti avec un don de plus de 50 000 francs de ma poche. Je suis retourné à Korogo. Alléluia. Et après, j'ai appelé le pasteur Kwao. Il est venu aussi à Korogo. Le week-end. Mais c'était juste merveilleux. C'est après son départ que la voiture que vous avez vue là, c'est lui qui a dit, mais vous êtes là, votre pasteur là, il marche là, il souffre. Puis lui, une voiture, c'était une prophétie. Quand il est parti, 2 mois après, tu nous as bénis avec une voiture. Ça peut vous encourager. Donc je suis allé prier pour voir s'il peut aller à Dabou, une semaine faire là-bas aussi également, l'inviter. Aller peut-être à Daloa aussi également. Je suis en train de me préparer pour prier. Alléluia. Et puis ensuite, je suis les aînés à Moussoukou, etc. Et puis après, fini peut-être à Boaké. Et puis à Abidjan. Alléluia. C'est bon, frère. Il faut souvent bouger. Alléluia. Et ce que j'ai oublié à Moussoukou, à San Pedro, quand il m'a dit de prêcher, il dit, mais je vais enseigner quoi aux frères de San Pedro? Qu'est-ce que, quoi, on n'enseigne pas? Et ce jour-là, il m'avait
mis à cœur de pouvoir exhorter sur les dons. Vraiment, frère, quand tu pars d'une zone à une zone, Dieu t'utilise. Quand on a fini, après je l'ai appelé. Il dit, mais pasteur Roméné, quand tu es parti, mais il y a eu les gens qui sont venus me donner des dons. J'étais content, j'étais heureux de ce que Dieu m'avait utilisé aussi également. Dans la grande ville de San Pedro. Alléluia. Juste pour vous encourager aussi également à le faire, parce que papa ne cesse de dire, mais c'est notre vie, c'est notre chose. Si on est là tout le temps, si on est stressé et toutes ces choses, il faut souvent se déplacer aussi pour l'apprendre. Que le Seigneur soit béni. Et soyez béni abondamment. Qui a quelque chose à dire? Oui, donnez-lui le micro. Tout à l'heure, dans l'intervention de papa, il a mentionné plusieurs fois ce que fait la RTVC et le missionnaire du Sud Komoué en a parlé. Frère, la CMCI et la RTVC, ce sont des instruments très efficaces. Je dis ça pourquoi? Un jour, il y a un pasteur qui était venu me rendre visite. Et il y avait une émission qui passait. Papa bombardait. Il a demandé, c'est votre pasteur là ça? J'ai dit oui. Le temps qu'il devait passer l'a dépassé. Il a regardé jusqu'à et puis il esquivait la tête seulement comme ça. Il dit, toi tu n'es pas loin, tu dois venir. Alléluia. Et toute fois que je reçois quelqu'un, je mets sur numéro 1 pour que ce soit la RTVC qui l'accueille. Chez moi, c'est comme ça que je fais. Donc, c'est devenu un instrument d'accueil pour moi. Deuxièmement, il y a eu un groupe de jeunes déployés à Odiené pour aller faire la sensibilisation sur COVID. Il dit pourquoi les gens ne se sont pas donné beaucoup. Donc, il y a deux qui sont rentrés chez moi. Quand je leur ai demandé nouvelles, ils ont donné leurs nouvelles. Moi, j'ai dit, en même temps, la RTVC, machin, hein, mais ce que je disais là, ils n'écoutaient plus. Ils étaient fixés comme ça. J'ai dit, je suis un pasteur de la CMCI. Il s'est redressé dans le fauteuil. J'ai dit, je connaissais la CMCI. J'ai dit, non, on ne conjugue pas CMCI au passé. Qu'est-ce qui se passait que tu connaissais la CMCI? Il dit, oui. Je viens de San Pedro, il a dit un village là, où il a rétrogradé, et puis il est venu à Abidjan, on l'a recruté pour aller faire une campagne de COVID. Frère, il avait oublié qu'il était en campagne, je l'ai ramené, il a confessé, on a prié. Mais le nom qu'il m'a donné là, j'ai un peu oublié. Non, je me suis dit, j'allais appeler le pasteur Kwao pour dire qu'il y a une de tes brebis qui est rentrée dans le filet. Et je dis ça parce que quand tu dis que tu es de la CMCI, au moins 85 ou 90% de la Côte d'Ivoire connaissent la CMCI. Donc je veux dire que je conseille même à mes anciens que chaque ancien est la RTVC. Donc ils ont compris, il y a un qui a déjà acheté, deux ont déjà acheté le kit de la RTVC. Donc, je voudrais dire merci à Dieu de ce que Dieu nous a donné, deux instruments très importants pour la conquête. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais juste faire un partage dans le sens de ce que le Seigneur nous a dit. Et j'avoue que quand je venais ici, j'avais ça à cœur. Je m'étais dit que si j'avais une occasion de faire un partage, j'allais aller dans ce sens-là. Ça fait plus d'un mois, nous avons fait une étude sur le chapitre de Jean 21. Nous sommes encouragés. J'avais reçu ces derniers temps-ci qu'il fallait dire aux frères, il faut que nous partions vers les frères. Parce que dans Jean 21, les disciples étaient partis à la pêche. Et le Seigneur Jésus est parti les chercher. Quand ils sont sortis de l'eau, après avoir fait un miracle, il les a accueillis avec poisson braisé. Là où ils étaient dignes de réprimandes, de beaucoup de choses,
ces poissons braisés que Jésus leur a donnés. Il a communié avec eux. Et puis après, il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Trois fois. J'avais compris que il nous faut être humble. C'est-à-dire que si Jésus lui demande à quelqu'un, est-ce que tu m'aimes? Jésus voulait que Pierre lui renouvelle son engagement. Il n'a pas demandé une fois. Il a demandé deux fois. Il a demandé trois fois. Donc je comprenais que j'avais expliqué au frère que nous sommes à un niveau où nous devons renouveler nos engagements les uns vis-à-vis des autres. Et il ne faut pas avoir honte de le faire. Et puis il ne faut pas le faire une seule fois. Et puis si on te demande, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas faire le moi, il faut dire je te suis. Il faut dire je suis avec toi. Ne dis pas pourquoi tu me demandes ça, pourquoi tu m'aimes une fois ou même deux. Jésus a demandé trois fois à Pierre. Pierre a donné la réponse trois fois. Et puis Jésus lui a confié chose. Je comprenais que il faut que nous disions aux frères que nous avons besoin d'eux. Parce que quand Jésus est venu dire à Pierre que est-ce que tu m'aimes, Jésus était humble. Il est venu montrer aux disciples qu'il avait besoin d'eux. Alléluia. Et il avait redemandé le renouvellement de l'engagement. Donc je comprenais que il faut que moi-même, je renouvelle mes engagements vis-à-vis des frères. Il faut que nous renouvelons nos engagements vis-à-vis des autres. Mais surtout, il ne faut pas faire le moi. Il faut aller vers les frères. Qu'on n'a qu'à laisser celui-là m'a blessé, il n'est pas loyal, fait tout ça. Rassemblons les frères. Disons aux frères que nous avons besoin les uns les autres. Si tu es un dirigeant, dis au frère que j'ai besoin de toi. Allons-y ensemble pour la conquête. C'est ce que Jésus avait essayé de faire en rassemblant son équipe. En fait, j'avais compris ça d'une nouvelle manière parce qu'on dit que c'était la troisième fois que Jésus s'était révélé aux disciples. Dans Jean 20, il s'est révélé, il a dit la paix soit avec vous. Ils sont restés dans la maison. On dit 8 jours après encore, il est venu, il s'est révélé à eux. Première fois, Thomas n'était pas là. Deuxième fois, Thomas était là. Quand il est ensuite, après encore, ils sont allés à la pêche. Quand tu vas maintenant dans Acte 1, tu vois que Jésus avait réussi. Parce que plus eux tous maintenant étaient rassemblés, après que Jésus soit parti, ils ont recommencé la prière à la chambre haute, tout ça jusqu'à attendre le Saint-Esprit. Alléluia. J'avais vu qu'il y a la force dedans. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Alléluia. Donc, je profite en même temps pour partager ce que le Seigneur est en train de nous dire. C'est très sérieux. Alléluia. C'est le temps où nous devons être humbles. Et le témoignage, c'est que beaucoup de rétrogrades ont commencé à revenir. Moi, je suis allé visiter trois rétrogrades. Ils sont revenus. Les frères même qui sont là, on a commencé à se renouveler l'engagement les uns vis-à-vis des autres. J'ai commencé à dire aux frères, nous avons besoin de nous, vous avez besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Qui autre a quelque chose à dire? Je veux juste dire deux choses qui sont pratiquement les mêmes. C'est ma joie et mon plaisir de servir le Seigneur dans ce ministère. Et puis ma joie de venir à cette retraite-là. Je veux le dire ouvertement que je suis très heureux quand je pense à la retraite des missionnaires. C'est vrai que je pose beaucoup de questions, mais personnellement, c'est un enrichissement que je reçois à travers chaque question que je pose. Les expériences des frères, je ne viens pas dans la pensée qu'on a fait 10 jours de veillée, on a fait... Non, c'est les expériences personnelles que je recherche personnellement parce que ça m'enrichit. Une fois, je suis venu ici, et puis un des dirigeants de Oumé a rendu témoignage que, après avoir rendu ministère, il était fatigué, et puis il a reçu un appel téléphonique d'un frère qui était malade dans un village, et puis il a prié au téléphone, le frère était guéri. J'ai saisi ça. J'étais à Vavoie, un même camp m'est arrivé. Je me suis dit, si Dieu a fait ça à Oumé, il peut faire ça à Vavoie. Et j'ai prié au téléphone, la personne était bien, la personne était guérie, effectivement. Une autre fois, on était venu ici, une église avait parlé de la brigade de nuit, ils évangélisaient la nuit. Et on a saisi ça à Vavoie. En 2019, quand nous sommes allés là-bas, j'ai dit aux frères, comment faire brigade de nuit? Et on a commencé à évangéliser la nuit.
par rapport à l'expérience d'une église. Ça devait être certainement Grand Laou, un truc comme ça, qui avait fait ça. Alléluia. Je dis pour moi, en tout cas, c'est une grande joie de venir arrêter des missionnaires. Et en tant que serviteur, le Seigneur m'a accordé la grâce de travailler dans les ONG internationales. Je dis à voyager, même sortir du pays. J'en étais heureux. Je pensais que c'était ça ma vie. Mais servir le Seigneur, c'est la plus grande entreprise. Et chaque matin, me savoir missionnaire, c'est une grande joie. Je suis satisfait. Je bénis le Seigneur de m'avoir appelé à le servir à ma voix. Chaque matin, je suis vraiment content. Je me dis que c'était ça, le sens de ma vie. Je me disais, je suis différent des autres. J'ai quelque chose à faire sur la terre, mais je ne sais pas ce que c'était. Et grâce à Dieu, quand j'ai rencontré le pasteur Achille, en le côtoyant, j'ai compris le sens de ma vie. Et quand nous sommes arrivés à Vavoua, je dis ma satisfaction en tant que missionnaire. Je suis heureux, je suis béni, je suis content d'être missionnaire. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour le message que nous venons d'entendre. Et j'étais inquiet au-dedans de moi-même. Quand j'ai vu toutes les ratés, mes ratés auprès du leader, avec mon épouse, souvent nous prions que quand je vienne, on prie même que quand je vienne, je trouve grâce et faveur à ses yeux. Alléluia. Donc quand j'arrive, je lui rends compte que vraiment je suis venu, ça s'est bien passé, on a trouvé grâce et faveur, j'ai trouvé grâce et faveur à ses yeux. Vraiment, là nous sommes contents. Donc, quand j'ai entendu le message, quand le frère Pascal parlait, je pleurais presque. Je me suis dit que, Seigneur, pardonne mes ratés. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler mon engagement auprès du pasteur Meunier. Pour lui dire que, papa, je suis là. Tu peux compter sur moi. Maman, je suis là. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup. Et puis l'autre chose, c'était envers mes autres collègues missionnaires. J'ai souvent mal, très mal. Pourquoi? Le pasteur Meunier nous a envoyés en mission, il nous a fait confiance. Il dit retraite des missionnaires. J'aurais souhaité que les missionnaires soient là le jeudi, un jour avant pour qu'on démarre. Mais quand je vois la manière dont les missionnaires viennent à compte-gouttes, avec beaucoup de calculs, beaucoup de réserves, bon, au grand, je n'ose pas en parler, mais à certains des cadets, je leur dis, mais vous aussi. Je pensais qu'on devait être là depuis pour organiser la chose. Ça me peinait, je recevais ça avec beaucoup de peine. Et ce n'est pas la seule chose. Je vous ai déjà partagé le jeûne. J'aurais souhaité que quand notre leader est dans le jeûne, tous les missionnaires soient avec lui. Pas forcément 40 jours complets, mais le nombre de jours qu'on peut prendre et qu'on amène tous les frères avec nous dans nos régions à jeûner. Je vous ai partagé, quand j'ai vu qu'on était 10 000 sur près de 100 000 personnes que nous sommes en Côte d'Ivoire, que lui soit en train de jeûner et nous, on ne peut pas amener nos frères, les frères qui sont avec nous pour jeûner avec lui. On devait avoir même 50 000 personnes qui ont jeûné. Qu'on enlève les enfants, les malades, de 1 à 40 jours. Un jour de jeûne. Ce sont des choses qui pèsent vraiment sur moi. C'est pourquoi j'ai partagé avec vous concernant le jeûne. Pour dire que je compte personnellement beaucoup sur les missionnaires. Je compte beaucoup sur les missionnaires. Beaucoup. Donc, quand je vois votre manière de venir, hein, ça me brise le cœur. Vous savez, quand j'ai rencontré le pasteur en 1996, quand j'avais vu l'enseignement et nos livres, je suis parti prendre de l'argent et je suis venu payer les livres du frère Zah pour 45 000 cash. Et j'ai entrepris un jeûne partiel de 30 jours pour que ce que j'ai vu à Abidjan arrive à l'intérieur. Ça, c'est en 1996. Je voulais que ce que je voyais à Abidjan arrive à l'intérieur. Donc, quand il a commencé à envoyer les missionnaires, pour nous, vraiment, c'est un grand soulagement. Vous comptez beaucoup pour nous. Vous comptez sincèrement beaucoup pour nous. Donc, et le Seigneur a dit, pour le renouvellement
des sentiments. Les offenses doivent être enlevées, enlevées, enlevées. Donc j'ai prié pour moi-même, j'ai enlevé tout ce que j'avais comme crainte, tout ce que j'avais comme... Et je prends l'engagement de dire devant vous, je compte, vous comptez beaucoup pour nous. Alléluia. Vous comptez beaucoup, beaucoup pour nous. Je voudrais vous renouveler mon engagement à vous servir. Mon engagement à être à vos côtés. Mon engagement à prier. Mon engagement à donner. Mon engagement vraiment à servir les missionnaires. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, merci infiniment pour ce que tu agis, pour ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous unir, de nous permettre que nous soyons ensemble. Merci Seigneur pour ce renouvellement des sentiments, pour ce nouveau engagement à marcher ensemble. Au nom de Jésus-Christ et à servir dans la nation, gloire soit rendue en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous venons te dire infiniment merci pour la nourriture spirituelle que tu nous as donnée à travers notre Père. Nous prions que tu nous aides à mettre cet enseignement en pratique. Donne-nous d'être vrais dans l'expression de nos sentiments les uns envers les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous avons besoin que tu nous aides et que tu nous bénisses avec des cœurs vrais dans l'expression de nos sentiments les uns envers les autres. Père, je prie pour moi-même et je prie pour chaque missionnaire, pour chaque frère, pour chaque sœur, au nom de Jésus-Christ. Amen.